walikuwa msimu wa huko. Diemé raconte son histoire avec de grands gestes. Il y a deux mois, alors qu'il était parti chercher de l'eau, il a été gravement blessé à la jambe par un homme en armes. À l'hôpital de Rutshuru, le chirurgien MSF qui l'a pris en charge n'a pas eu le choix, il fallait amputer. Aujourd'hui, le kinésithérapeute l'aide à se remuscler afin qu'il puisse bientôt marcher avec une prothèse. MSF est présente à l'hôpital général de Rutshuru depuis 2005. Aujourd'hui, elle ne constate aucune augmentation du nombre de blessés, sans savoir si les combats ont vraiment diminué dans la région. Car il est possible que la violence fasse plus de morts que de blessés. Dans les couloirs de l'hôpital, Diemé, lui, se remet peu à peu et s'ajuste à sa nouvelle vie. La finalité, c'est une réintégration sociale de l'enfant qui doit reprendre les chemins de l'école. Et pour ça, MSF a pris contact avec le CICR qui prend en charge ce genre de choses. Donc l'enfant est mis dans le programme pour qu'on lui confectionne une prothèse et ainsi il pourra marcher comme tous les autres enfants et être décomplexé. Diemé quittera l'hôpital quand sa blessure sera cicatrisée. En attendant, il ne rêve que d'une chose, pouvoir retourner à l'école.